le corbeau et le renard. Jean de La Fontaine. Maître corbeau, son arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur, alléché, lui était à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau. Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se répond à votre plumage, vous êtes le phénix des hautes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne les prendrait plus. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Jean de La Fontaine.